Le programme 5000 Startups de Syntec Numérique accueille aujourd'hui à peu près 400 entreprises innovantes dans le numérique. 400 startups qui ont rejoint en quelques mois ce nouveau programme qui veille à les accueillir au sein de l'écosystème du numérique. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont pouvoir travailler sur des problématiques métiers, sur des problématiques business avec les autres adhérents de Syntec Numérique. Bonjour, nous sommes Frédéric et Émilie, les deux cofondateurs de MyJobGlasses. MyJobGlasses, c'est la première plateforme web de rencontre entre des étudiants et des professionnels en entreprise. Avec Émilie, on s'est lancé en partant du constat que 46% des jeunes aujourd'hui en France quittent leur premier job avant la fin de la première année, notamment en raison d'un trop fort décalage entre leurs attentes et la réalité du poste. On se rend compte du coup qu'il y a besoin de rapprocher ces deux populations que sont les étudiants et les entreprises, et c'est ce que nous faisons via MyJobGlasses. Alors nous, on a testé le programme 5000 Startups de Syntec Numérique lorsqu'il a fallu qu'on embauche notre premier CDI. Alors je ne vous cache pas que c'est une étape cruciale dans la vie d'une startup et qu'on se sent parfois un petit peu seul avec plein de questions. Et donc du coup, Syntec, grâce à son programme 5000 Startups, a été un partenaire super qui nous a aidés, qui nous a accompagnés, qui a partagé avec nous des documents juridiques, qui a répondu à l'ensemble de nos questions. Et du coup, on s'est senti aidés et accompagnés. Et donc c'est super, ça nous a permis de réussir cette première embauche qui était un moment assez critique pour nous dans le lancement de l'entreprise. Et donc du coup, on ne connaissait pas, je ne vous cache pas, 5000 startups. On l'a testé parce qu'on a gagné des concours, donc notamment la Fabrique Aviva, on a eu 50 000 euros et l'accompagnement du coup de Syntec Numérique et du programme 5000 startups. Et donc du coup, ça a été un plaisir de découvrir et on sera ravis derrière de continuer à utiliser ce programme et que je vous conseille à tous. Et donc un petit mot pour la fin, merci Syntec Numérique.